Le mariage mystique. Je répète ici mon refrain habituel en disant que je trouve difficile de mettre sur papier ce qui se passa entre moi, entre Jésus et moi. J'arrive à vaincre ma timidité seulement parce que je veux être obéissante. Je résumerai ma narration en disant qu'à la vigile de la fête de la pureté de la Sainte Vierge Marie, moi, pauvre personne, j'étais attiré par mon aimable Jésus, qui terrifiait totalement les démons. Ils fuirent, et les anges de Dieu vinrent avec d'inhabituelle vénération pour moi. Ce qui me fit rougir, comme si j'avais commis quelque chose de mal ou de méprisable. Ils vinrent près de moi et me tinrent compagnie jusqu'à ce que mon aimable Jésus fût revenu. Le matin suivant, Jésus, dans toute sa majesté, avec un charme et une douceur inhabituelles, vint à moi, en compagnie de la très sainte Vierge Marie et de sainte Catherine. Jésus demanda aux anges de chanter un hymne céleste et belle. Pendant qu'ils chantaient, sainte Catherine m'encourageait tendrement. Elle prit ma main pour que Jésus puisse placer un précieux anneau de mariage à mon doigt. Et dans une ineffable bonté, Jésus m'étreignit et me baisa plusieurs fois. Ceci fut aussi fait par ma mère, la très sainte Vierge Marie. Je fus témoin d'un céleste entretien dans lequel Jésus parlait de l'attirance amoureuse qu'il avait pour moi. De mon côté, plongé dans une grande confusion à cause de la nullité de mon amour pour lui, je lui dis: Jésus, je t'aime, tu sais combien je t'aime? La Sainte Vierge m'entretint sur la grâce extraordinaire que Jésus, mon aimable époux, m'accordait, et elle m'exhorta à lui rendre un tendre amour réciproque.